Journée triste. Allez, Maurice. Journée très triste. Et c'est ça, vous allez voir, qui est triste. Quand on habite ici, malheureusement. Moi, il y a énormément d'avantages, bien sûr. Mais là... On va quand même en profiter de cette journée-là. Là, je suis en train de finir mon training. Regardez-moi ça. J'ai un schlag. Je vous jure que je me lave. Au moins une fois par semaine. Bon, ça m'arrive parfois de se faire sauter une semaine. Sinon, je me lave quoi. C'est les haltères quand je me mets en place pour le... Oh, développer épaule. On est là quand même, hein. 35 ans. Papa, deux enfants. Je les ai pas portés. Allez. Last one. J'ai juste un peu de mal à me mettre en place parce que je me suis fait un petit claquage. Voilà pourquoi je suis en plus doublement triste. Là, quand je me sens diminué physiquement, je me sens diminué physiquement. Vous faites quoi les enfants? Venez voir. Quand il fait mal, je l'ai lancé avec la pointe de couteau. Avec la pointe de couteau? Oui. Tu joues avec des couteaux toi? T'aimes bien ça hein? J'aime bien les couteaux. Voilà, regardez-moi. Il me semble qu'elle a même pas pleuré parce que c'est une. Nous on est des. Elle n'ose pas le dire, mais elle le sait ce qu'on est. Dis-moi dans l'oreille, dis-moi dans l'oreille. Oui! Je me suis super mal entraîné ces deux dernières semaines. Et parce que, là au moment où je vous parle, c'est la dernière ligne droite, juste avant la sortie de nouveau programme Wolf 2 Beauty 2. Et il y avait ma famille à la maison. Donc il y a eu ma petite sœur pendant deux semaines. Donc j'ai essayé de profiter un maximum. Ensuite il y a eu ma mère. Ça s'est chevauché un petit peu, mais il y a eu ma mère avec ma petite sœur et Manu. Du coup, bah, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de taf, je me levais tôt le matin pour bosser. Et souvent, bah, j'avais pas le temps de finir ce que j'avais à faire. Donc je prenais sur mon temps de training. Et après, j'essayais de profiter au maximum. Il y a normalement bah, la semaine du lundi au vendredi je travaille, le week-end bah, je profite un peu plus, même beaucoup plus. Et bah, là vu que eux ils faisaient des activités et que je voulais en profiter d'eux au maximum, je me suis pas entraîné. Voilà, être honnête dans la vie, dire les choses. Et voilà, et en fait ils partent aujourd'hui hein. Vous allez les voir là, on va faire une belle journée ensemble encore aujourd'hui. Je me suis levé tôt, là j'ai pu m'entraîner aujourd'hui. On va aller manger dans un beau resto, vous allez voir le cadre, il est incroyable. Et je pense que bah, tout le monde va être triste, eux de rentrer, nous de les voir partir, les enfants aussi beaucoup. Ça fait plusieurs jours là qu'ils sentent que bah, ils vont bientôt partir. Et voilà, après dans un mois il y a la sœur de Capucine qui arrive, les copines de Capucine. Moi entre temps je vais rentrer aussi en France, je vais aller à Istanbul, je vais rentrer 2-3 jours en France. Mais voilà, c'est ça qui est triste en fait quand on est ici, c'est de pas être proche de notre famille, etc. Bien sûr on est tout le temps au téléphone avec, WhatsApp, etc. On rentre au moins 2 fois par an, eux viennent. Donc voilà, et puis voilà en vrai, et ce que je disais même avant de partir, c'est que quand ils sont là, on profite d'eux pour de vrai, on fait vraiment des trucs, on a des souvenirs de ouf, on a allé nager avec les dauphins. J'ai pas filmé parce que j'ai vraiment voulu profiter, et puis en plus de ça, Capucine elle vloguait, donc sinon ça ferait concours de vlog. Mais on est allé nager avec les dauphins, on a fait des excursions en famille, parce qu'il y a ma cousine aussi, Caroline, qui est là pour 3 mois, donc ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois qu'elle est là. Donc on a fait sortie, excursion en bateau avec toute la famille, on a fait des bons restos. On est parti sur un magnifique catamaran, le Zil Cruise. On a eu un délicieux petit déjeuner, c'était incroyable. Ensuite, on est parti direction l'île Plate pour faire un barbecue sur la plage et profiter du cadre exceptionnel. On a vu plein d'animaux, plein de poissons, il y en avait même un gros avec des lunettes. On s'est régalé avec les langoustes et le poisson frais. On a navigué, on a profité, tout ça en famille, avec les enfants, Capucine, ma cousine, son mari et ses enfants, et ma mère, ma petite sœur Emmanuel. Petite douche à la Ushuaïa Nature. À un moment, le bateau a tangué, je sais pas pourquoi. Bref, c'était une journée incroyable. Et si vous avez l'occasion de venir à Maurice, faut que vous le fassiez. Mais attention à Bernard. Regarde, il fait rien du tout, il va juste... Voilà, on a passé du temps ensemble à la plage et tout. Mais voilà, il y a une fin à tout. Et puis au moins, on aura des super souvenirs. On a fait des photos, des vidéos. Et à chaque fois qu'ils vont venir ou qu'on va rentrer, bah, on va faire des activités, on va planifier des trucs. Et en fait, le temps qu'on passe ensemble, il est beaucoup plus qualitatif. Voilà quoi. On n'est pas contente là. Hein. Alors? On n'est pas contente? Tu te caches? Bah, c'est mon chat, aujourd'hui, on est rongé. Il joue. Si, t'es très jolie. Très jolie, et puis j'étais rhabillé avec ma main. Ma belle main. Alors, vous rangez pas les jouets, c'est ça? C'est pour ça que vous vous faites disputer?
On va pas se plaindre non plus, hein. Qui c'est qui a un bureau dans sa salle de muscu? Ou une salle de muscu dans son bureau? Vous êtes prêts pour le départ? Bah où? Bah aller manger, au restaurant. Par contre, nos tenues chinoises. Vos tenues chinoises? Oui. Pour faire quoi? C'est pas une fête chinoise aujourd'hui? Oui, mais maman, elle a dit qu'on peut le mettre. Vous êtes sûr? Mais toi, ta tenue chinoise, Athènes, elle est un peu courte, on voit ton ventre. Tu peux voir? Mais t'as les abdos, toi? Force avec le ventre? Wow! T'es contente de rentrer? Non. C'est triste. Oui. Tu reviendras vite? Oui. Ah oui, parce qu'en plus, t'es dans le... Les trucs des devoirs là? Non, c'est un jeu vidéo. Ah, non, non, c'était des devoirs. C'était des devoirs? Devoirs, oui. Ouais, c'était des devoirs. Pourquoi je veux pas t'acheter une tenue chinoise? C'est pas que je veux pas m'en acheter, c'est que j'ai pas eu l'occasion. Puis je sais pas quand est-ce que je vais porter ça, moi. J'ai envie de dire que tu t'avais un chinois. Ah bon? Qu'est-ce que j'arrive à faire comme ça? Vas-y, montre-moi. Allez, vas-y, par terre, montre-moi les roulades et tout là, comme tu fais. Quand tu sautes là, le break dance. Comment tu mets les mains par terre, après tu sautes? Encore? Ouais. Ouais. Et ça, qui est sur le lit, c'est Victoria qui me l'a donné. Donc c'est moi qui l'ai offert à Jasmine. Tu te rappelles? Moi qui t'avais offert ça quand j'étais parti au Togo. Non, au Kenya. Jasmine l'a donné à Victoria. Et Victoria me l'a offerte. Si je l'enlève de ma chambre ou du lit, elle me la ramène. Elle me dit, papa, t'as perdu ça. Faut que tu la gardes toujours avec toi. Yes, cool. Plutôt pas mal la lumière ici. Voilà, un de spécial à dire. Tu veux voir, Jas? Allez, mets-toi debout, qu'est-ce que tu fais? Des vraies indiennes. Tu vas voir ton ventre, là? Allez, Arla. Athènes, il s'est mis en indien aussi? Seulement, il n'a pas mis son t-shirt avec un débardeur. Ah, il avait mis la chemise après, il m'a dit ça, que ça le grattait. Tu as dit quoi, Athènes, à Victoria? J'ai dit, il est trop belle. C'est vrai, tu la trouves trop belle? Elle a dit quoi? Elle t'a dit quoi? Il a dit, t'es trop beau. T'es trop beau, elle t'a dit? Oh. Et t'as mis ton bracelet aussi que Tati, elle t'a offert? C'est une dent de terre dessus. Waouh. Les requins, ils ont une toute petite dent, pas vrai? Bah oui, c'est un tout petit requin. Comme Athènes, c'est un tout petit bonhomme. Alors, on va manger quoi? On va manger indien? Non, on va manger turc. Ah, cuneffé. Je sais pas s'il y a du cuneffé, c'est un dessert qu'on adore. Il y a trileçe, baklava. C'est déjà pas mal. Allez, on y va. Viens, Athènes. Tu es triste? Oui. Pourquoi tu es Papa, triste? Papa, ils vont partir. Non, là, on va manger ensemble et puis après, ils vont partir. T'as un téléphone? Oui. Allô? C'est quoi? Eh ben, c'est son truc pour charger ton téléphone. Et moi, j'ai ma voiture en réparation depuis 3 mois. Faites pas d'accident, les Maurice, hein, je vous le dis. On bouge toujours avec la voiture de Cappuccina. Très, très propre. C'est joli ici, hein? C'est magnifique. Et on rejoint les cousins. Regardez-moi ce cadre, si c'est pas magnifique. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ça va? Nickel et belle. Ça va, Liam? C'est ça, moi c'est juste Alex. Ouais, ça va. Vous allez bien? Ça va, la forme? En forme? Ça fait plaisir. Ouais. Ça va? Bienvenue à l'hôtel. On est venu manger là. Après, ouais, on va se baigner, mais on est venu manger d'abord. Non, c'est un plaisir. Ah bah merci, c'est gentil. C'est la bienvenue ici, c'est la canotique. J'ai envie de faire du kayak, du pédalo. Ici en fait. Bah avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. Là, il fait pas super beau aujourd'hui, mais regardez-moi cette vue. Qu'est-ce qui a l'air pas mal? Le tas kebab. Ouais, mais kebab, ça veut pas dire du pain avec la viande dedans. C'est comment ils cuisinent la viande, d'accord, kebab. Okay. La viande, elle est tendre, elle est pas sèche. Ah non, les Turcs ils sont quand même bons là-dedans. Bon, mais je te fais confiance. Si c'est pas bon, c'est de ma faute. Les médias sont arrivés. Là, c'est bon. Hein. Vous savez que je vais à Istanbul bientôt? Pourquoi? Les cheveux? Pour refaire les cheveux de PJ. Bon appétit. Santé. Merci. Merci. Eh ben, ça c'est juste les médias. Et en plus de ça, on a pris quelques-uns, ils nous en ont offert en plus. Non, je trouve que c'est très bien coiffé, moi. Très bien coiffé. Hein. Ouais. Il y en a un qui dort. Oh là là, ça commence. Oh là 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 là. La tristesse. C'était très bon. Je pourrais rouler jusqu'à la voiture. T'étais avec qui au téléphone? Léna. Qu'est-ce que vous vous racontez? Vous venez de vous quitter. On se revoit dimanche? C'est vrai? Ouais, on va à la vallée des 7 couleurs. Bisous bisous. Rentrez bien. C'est la tristesse. Bah alors. C'est Jasmine, elle me fait de la peine, bisous. Oh. Bah alors mon grand, qu'est-ce qui se passe? Tu es triste? Tu es triste? Arrête. Bon, la muf, il est 6h. Et il y a du taf là encore. Moins de taf, c'est samedi, mais je me lève tôt comme ça. Je peux bosser, avancer et après profiter avec les enfants, Capucine. Et voilà, surtout qu'en plus demain, grosse sortie, grosse activité. Je peux entraîner comme je vous l'ai dit. Il va falloir que je fasse une séance aussi. Let's go. Ça y est, la muf, c'est parti. Séance full aujourd'hui, 3e séance de la semaine et dernière séance de la semaine, puisque demain c'est dimanche et on va partir tôt le matin. Donc je pense pas avoir le temps de m'entraîner demain. Bon, j'aurais fait au moins 3 séances cette semaine. Petite préparation avec gingembre aussi.
citron, 55% de gingembre et 45% de citron. Un petit café noir sans sucre, amino powder, donc complexe d'acides aminés, créatine. Donc pourquoi je prends celle-là en ce moment? Parce qu'il y a de la malto dedans. Et étant donné que je fais le jeûne intermittent, je ne mange pas. La créatine, vous l'assimilez mieux avec une source de glucides. Donc voilà, tout simplement. Let's go. Et je vais vous montrer un truc. Donc là, en fait, j'ai mis une paire de baskets parce que j'ai mis exactement l'outfit que j'avais pour faire le plan raccord dont j'avais besoin là pour le programme. Et c'est très rare, en fait, je mets jamais de baskets. Je suis toujours pieds nus en claquettes ici. Et il y en a une qui sait ce qui se passe quand je mets les claquettes. Elle fait que de me suivre depuis tout à l'heure et de m'indiquer le chemin de la sortie pour aller au parc. Donc je vais l'amener tout à l'heure là. Je vais essayer d'embarquer un enfant avec moi ou sinon, moi, j'irai courir avec elle. Ça y est, échauffement terminé. On va attaquer avec les tractions lestées. 40 kilos pyramidales. 6, 4. 2, 4, 6. Ça fait 5 séries en tout. Let's go. Je vais voir si j'arrive à soutenir cette charge là. C'est parti. Qui c'est qui m'a rejoint pour faire sa séance? Il m'a dit ça fait 3 jours que je me suis pas entraîné. On n'est pas des exemples là ces 2 dernières semaines. Non, mais c'était important de profiter aussi. Exactement. Je vais faire une séance bas du corps. Ok, programme DS. Voilà, normalement je fais du tirage horizontal à la machine. Mais moi sur ma poulie ici, j'ai pas assez de poids du coup. Je fais en unilatéral et je vous montre si jamais vous avez le souci. Vous pouvez faire comme moi. Il y a plusieurs façons de se mettre en place. Vous pouvez faire avec le banc, sans le banc, au sol. Je bascule un tout petit peu pour pas que le banc me gêne. Pareil pour le tirage vertical, pas assez lourd, donc un bras après l'autre. En plus de ça, franchement, j'aime pas du tout l'unilatéral. In my head, I'm top 10, yeah, this hands down. You a squad squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a target now. Call filling up, I need product again. Treat the business like a playground, might slide on you. Do me wrong, might find you. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. Go hard, or go home. Go hard, or go home. Go hard. On va où? À la forêt. Allez, let's go. Ça veut dire quoi, let's go? On y va. En quelle langue alors? Je sais pas. En anglais? Non. En italien? Non. En anglais, en anglais. Et alors? Hop là, bah, faut que Bonnie elle la voit. Oui. Athènes, à mon tour. Chacun son tour, Athènes. Et en ce moment, il écoute rien du tout. Oh oh. Mais c'est pas grave si tu l'as sali, on va pas la manger la peau de toute façon. Enfonce ton doigt au milieu. Allez vas-y, force. Non, bien au milieu. Ouais, voilà. Ça tu peux y jeter par terre sur les côtés. Ah bah alors il faut qu'on marche. Et ça tu voulais savoir ce que c'était alors? Enfin, si tu sais ce que c'est, mais tu voulais savoir qui m'a offert ça? Un monsieur noir. Oui, un monsieur noir. Un Maasai. Un grand monsieur noir qui habite au Kenya. Ouais, c'était le chef de sa tribu. Je vais vous la montrer. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait lui avec? Il s'entraînait à viser pour chasser. Chasser plein d'animaux. Regardez, attendez, là il y a Bonnie. On va faire là sur cet arbre là. Oh, je sais pas si vous voyez, attendez. Attention, attention, doucement. Tu me dis qu'est-ce que tu veux faire? Comme ça dans l'arbre. Non, 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 non. C'est un peu dangereux ma poupée là. Tu l'aimes bien l'épée? Ah oui, je l'aime beaucoup. Et toi tu l'aimes bien? Oui. Athènes aussi l'aime beaucoup. Pour au. Ha, ha. Vous vous régalez? Athènes m'a dit c'est trop bon le bon d'Arune. Ah oui, t'avais vu une grenouille à l'école? Et il y avait des garçons qui étaient en train de l'embêter. Oui. Et toi, t'as fait quoi? J'ai mis derrière le grillage. C'est gentil ça. Et il faisait quoi? Il l'embêtait. Avec quoi? Des bâtons. Oh là là, il y a plein d'enfants là-bas. J'ai l'impression qu'il y a une chasse au trésor ou c'est des scouts. Venez, on va aller voir. Ouais. Allez, venez voir. Voilà l'île Maurice. Elle est pas bien là. On va leur demander ce qu'ils font. Ah, mais ils sont sur ça là. Je crois qu'ils ont dormi ici, hein. Demandez-leur qu'est-ce que vous faites. Alors on courait, maintenant on ralentit. Ils vont camper ici cette nuit. Vous restez avec eux? T'aimerais bien toi? Oui.
C'est-à-dire, ils vont faire un feu, ils vont manger ici, ils vont faire la cuisine ici. Ils vont même faire pipi dans des trous. Peut-être qu'ils n'auront pas envie de faire pipi. Oui, mais il y a bien un moment, ils vont avoir envie de faire pipi, là, toute la journée, plus demain. Ils vont pas faire pipi dans la terre. Bah si. Comment ils vont creuser? Bah, je sais pas, il doit avoir une pelle. Allez, on va se faire des beaux bâtons. Trouver des beaux bâtons. Après, on les coupe bien comme il faut. Là, on va regarder là, dans la forêt. Chut. Chut. J'arrive pas, il y a un peu, on peut pas. Poussez-vous. Je vais utiliser ma machette de Maasai. Ah ouais, il est bien frais, il est pas pourri. Voilà. Tu le veux aussi grand que toi? Mais comme ça, ma taille. Il est à ma taille. Pas grand. Ma taille. Il est pas tant tout petit, ce bâton. Tu veux qu'on enlève l'écorce? C'est quoi l'écorce? Ça. Allez, on va en chercher un pour Athènes maintenant. Ah, je trouvais une branche là. Pas mal pour faire un bâton. Ça va casser et puis il faut quelque chose pour glisser sur la tyrolienne. Comment ça se fait que t'as autant de muscles toi? Parce qu'Athènes il fait la muscu avec moi, toi tu fais pas. Je porte beaucoup de choses, de trucs lourds. Ah, regardez un peu mon œuvre. Faut voir ton bâton, Vicky. Waouh. On a enlevé toute l'écorce et Athènes il voulait un mini bâton. C'est ça? On enlève l'écorce ou pas? Non. On va voir ce qu'il y a là-haut? Oui. Allez, on va voir. Allez, les aventuriers, là. Regardez là avec son bâton. On peut faire une petite montagne? Faire une montagne? Oui, une petite montagne de cailloux. Ah oui, comme celle-là? Mais il y en a déjà une, là. Bah oui, la grande est un peu plus grave. Moi, j'ai un petit peu faim. Hein. Vous voulez fabriquer des montagnes? Les montagnes, on les fabrique pas. Ils sont tout le temps en train de me dire, et ça, t'arrives à soulever, et ça, t'arrives à soulever, et ça, t'arrives à soulever. Et là, maintenant, ils veulent que je soulève celui-là. Je sais pas du tout si j'arrive. Hein. Et il y a des moustiques qui m'attaquent en plus. Tu me filmes? Oui, je te filme. Et là. Ah mais en plus il est coincé par celui-là. On te voit papa, t'inquiète. Oh, il est un petit peu coincé de partout. Il est coincé par ce rocher papa. Ah oui c'est vrai. Moi je te dirais d'essayer papa. De soulever lui. Celui-là mais il est rentré dans la terre. Papa. Oui non celui-là non. Oh venez voir, venez voir, venez voir toutes les bêtes. T'as vu ça? Ah c'est quoi? C'est pas un mille pattes. Et ça c'est des bébés escargots non? Ils sont mignons, le petit bébé escargot. Celui-là il est gros quand même. Celui-là il est coincé par rien du tout. Tu filmes? Regarde la caméra. Non, 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 je peux pas quand même soulever celui-là. Oh, regarde-moi. On va voir ce qu'il y a dessous. Oui. Il y a des bêtes. Oh, c'est le même truc, le gros mille pattes. Si on le veut encore plus, il est allé au fond le mille pattes. Tu vois là? Ah ouais. Mais attends, regarde, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries? Allez, on le laisse, on le laisse. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. On va voir ce que tu peux soulever encore. Non, c'est bon, j'ai pas soulevé la forêt là. Allez, s'il te plaît. Allez, allez, pousse. Mais... Voilà. Changement de décor après la forêt. Madame a pris son petit cocktail. Et voilà, la vue du jour. On est bien. Jouer avec des poupées à thème. Et les démembres. Moi, je vais chercher mon câble d'iPhone dans la voiture. Brancher hôtel. Brancher hôtel. Brancher à l'ordi. J'étais sur l'ordi en fait là. Et en partage de connexion, ça m'a bouffé. J'aimerais bien faire autre chose. Mais bon, c'est ça la vie d'un entrepreneur. On travaille un peu quand on veut. Mais parfois, on n'a pas le choix. On va pas se plaindre. Ça va être le. On va entendre souvent ça dans le vlog. On va pas se plaindre. Ah, franchement, voilà, j'ai bossé un peu ce matin. Il y a des phases en fait comme ça où il y a des lancements de projets, des trucs où il faut charbonner. Et après, il y a des moments plus cool, des moments où on se fait des vacances, où on kiffe. Mais c'est sûr qu'il faut toujours avoir un œil un minimum attentif. On n'est jamais 100% en vacances. Mais en même temps, notre travail, il est plaisant. On travaille d'où on veut, quand on veut. Voilà quoi. Ah oui. Je viens d'acheter ce petit Panama. T'en pensais quoi? Chicanos ou. Elle vient de me dire qu'on t'a pris à dessert, coca. Toi, tu manges quoi? Attention, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Régale-toi. Cheesecake. Il est petit quand même. Regarde maman. Et ben voilà, petit bonhomme qui fait la sieste. Petit shooting photo. Ça bosse un petit peu. Et regardez-moi ça. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais. On va pas se plaindre. Elle check les plans que je lui ai fait. Ce petit placement. C'est pourquoi? La roche posée. La roche posée. Regardez-moi ça. Regardez, attendez, attendez. On voit rien du tout. Je mettrai un extrait dans le vlog. Il y a un Bernard l'ermite. Hey Bernard. Ah, c'est caché. Ah, j'ai fait un peu peur. Je vais vous apprendre un truc. On m'a appris il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que leurs coquilles ne sont pas les leurs. Ils vont les emprunter. Quand elles sont trop petites, ils la lâchent et vont chercher une autre. La dernière fois, j'en ai pris un dans les mains. Et il a flippé et il est sorti de sa coquille. Après, je lui ai remis sa coquille à côté de lui et il est re-rentré dedans. Regardez-le. Oh, oh, oh. T'as pas peur? Il va sortir sinon. T'as pas peur? Non. La dernière fois, toi, il t'a pas pincé, Vivi, t'as crié aussi. Si. Mais ça peut pas pincer, ça a pas de pince. En tout cas, il me frétille le doigt là. Ouais, il va sortir. Là, il se dit, ouais. Là, ça lui fait un peu peur. Regarde, il est curieux quand même, il y a un petit bout qui sort, qui guette. Ouais, mais
mais c'est vrai qu'il est, il est pas timide celui-ci. Ouais, c'est un Bernard extraverti. Capel m'a dit, oui là il fait froid un peu, il n'y a pas de soleil. Non mais sérieux. Allez Tarzan, montre-nous. Bah quoi, arrête. Oh, 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 la petite souris, la petite. Non, ne le cours pas derrière, ne le cours pas derrière. Oh, 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 elle est minuscule, elle est minuscule. Elle est là, elle est là. Hop, 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 elle sautille. Mais entre tes jambes. Oh, 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 oh. Waouh. Athènes. Et j'ai envie de m'accrocher à l'autre après. Ah, tu veux passer d'une liane à l'autre. Je crois que ça, c'est une balançoire. Ouais, je pense que c'est un peu haut. Essaye, tu veux essayer? Bah, tu peux pas poser les pieds par terre? T'es à 50 cm là. Et monte, force avec tes bras. Voilà, t'es prêt? Et fais le cri de Tarzan. Papa. Ah ouais. Ah ouais. C'est le bâton qu'on a pris ce matin à la forêt. Tu fais quoi, une baguette magique? Oui, j'ai fini. Mais tu as fini, mais quand ça sera sec, tu tourneras? Oui, je tournerai, je ferai les autres. Parce que ça va tout coller, papa. Tout rose? Tout rose. Je vais faire les côtés maintenant. Attends un petit peu. Ça sèche. Donc ce matin, tu fais le... Hier, t'as fait le côté pile ou là, tu fais le côté face? Oui. Elle va vraiment être toute rose, hein, cette baguette. Moi, je propose qu'on fasse des petits dessins dessus après. Et aujourd'hui, on va rejoindre ma cousine. On a une belle activité. Direction la vallée des 7 couleurs. Il a plu cette nuit. Et là, moi, c'est un peu couvert, mais ça va. Papa? Oui. Il sèche? Non, il est pas sec. Il est pas sec. Quand je touche, il est sec. Stop, la tête. Tu sais ton bâton là? Je l'ai retrouvé dans mon lit cette nuit. Oui, mais il est cassé. C'est beau ce t-shirt, hein? Il y a des choses qui me va un peu grand. Non, très bien. Oversize, beau gosse. Mais il est grand comme ça. Ah oui, non, mais pas celui-là. Pourquoi on met pas eux? Oui, c'est des pantalons, mais c'est un peu pour les grands. Toi, tu mets pas des pantalons, toi, les Maurice, il fait trop chaud. Même si je sais que parfois tu veux mettre des pantalons. T'aimes bien les pantalons, toi? Oui. On fait quoi comme coupe? Une coupe de samouraï. Une coupe de samouraï? Oui. Quoi, les babines? Les babines, c'est les lèvres du chat. Tu te trouves beau? Oui. Ah oui, moi aussi. Les chaussettes et les baskets. Gros pied, toi, hein? Gros, un ogre. T'es un ogre. Comment ils sont, les ogres? Eh ben, ils sont gros. Ah oui? Et moi, je suis pas gros. Et Malmise, vas-y, bouge ton pied comme ça. Dedans. Hop, hop, hop. Essaye de marcher. Cours un peu, elle va se mettre. C'est bon? Pourquoi t'es grossi, papa? J'ai grossi. Où ça? Montre-moi où je suis gros. Papa? Mes pecs? Oui. Vous êtes beau? Oui. Allez, vite, 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 on se prépare. Le temps n'est pas au rendez-vous. Non. Bon, il reste encore 30 minutes de route. Ici, ça peut changer d'une minute à l'autre. On va creuser les doigts, parce qu'en plus, c'est des activités de plein air. On arrive. Alors, c'est super beau, mais il pleut. Il pleut. Il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Il pleut, il mouille. C'est la fête au pays. Pourquoi tu lui dis non pour refaire la même chose? Mais ben, en plus c'est pas ça, elle a dit il pleut, il fait tout beau. C'est pas beau, ça sera la vie. Vous êtes trop des fois. Regardez les quads, on est à la vallée des 7 couleurs. Ça a l'air d'être incroyable toutes les activités qu'il y a. Ouais. Il y a des tyroliennes, des quads, il y a même du vélo. Quoi, du vélo sur un... Sur, en équilibre, ouais, sur un fil, oui c'est ça. Du funambulisme en vélo. Pas s'il va te laisser l'approcher, hein. À mon avis il a un peu peur. Ah, là, il y en a d'autres, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Eh ben, il a fait son bruit. Et après, il a fait. Et là, on attend bah, Caro, ma cousine, Joanne et les enfants. Alors, salut, ça va? On a beau temps. T'as pas fait le brushing? Non. Ah si, t'as fait les boucles? Non, j'ai pas fait, c'est des vieilles. Ça va, Liam? Hello, hello. Quel temps de rêve. Ça va? Et toi? Bonjour, mademoiselle, alors. Tu t'es ouvert le menton? Oh là 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 là. Toboggan. Moi j'aime beaucoup ton téléphone, tu me l'offres? Tiens papa. Ah merci. Tic. Allô? Ça contre vlog? Ouais. Allez voir le vlog. Ce que vous voyez pas dans mon vlog, vous voyez dans le sien. On a un cinéma pour nous, c'est ça? Waouh, waouh, waouh. Alors vous nous faites un spectacle? Allez, faut se mettre là devant. Non. Bah si. Après vous répétez avec nous et tout le monde arrive, après faut le faire devant tout le monde. C'est pas vraiment, c'est pas devant. Faut chanter une chanson chacun son tour. Parce qu'on en a entendu beaucoup dans la voiture là. Là-bas, Cap, elle est avec une tortue. Ouais, c'est vraiment Jurassic Park. Hein. Regardez-moi ça. À tout moment, tu peux avoir un vélociraptor là qui arrive sur le côté. Regardez-moi ça, même les jeeps et tout là. Pouah, 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 mais c'est magnifique. Et là-bas, ils sont avec une tortue. Mais elle est énorme cette tortue. Waouh. Waouh.
Et là, on va aller prendre les jeeps qui sont là-bas et on va faire le tour. Et le soleil, il est sorti le soleil. Voilà, attends, Joanne, il voulait que tu le filmes avec la Charlotte. Arrête de faire malin, toi aussi. Je vais y passer, c'est ça? Et voilà, beau gosse. Maman, elle va chanter YMCA. On a mis les casques, on est équipé. La pilote, c'est Cap. Et elle s'est vite assise, Caro. Toi, tu vas conduire, Athènes? Allez, les filles, on monte. Hello, je te vois. C'est parti. On va pour la quête. On va les doubler. On va les doubler. On va les doubler. Là, on va voir la cascade. Wow. Bon, c'est parti. T'es prête, ma poupée? Tu vas faire ça? On va faire la tyrolienne. Oh, elle est immense. Cap, t'es un peu stressé? Adèle, il est sur papa? Allez, allez. Bonjour. Ça fait trop bien. Allez, allez. Wouhou. Ah ouais, je prenais les gravats là, mais c'était cool. Ah ouais, ça va, je comprends pas. Oh, allez, ah, c'est stylé en fait. Regardez les petites cabanes, petits restos. Mais oui, tu restes avec moi. Waouh. Il est puni, il écoute rien. Ça bouge, ça bouge. Ouais, ouais. On va manger. On a la dalle. C'est dimanche. C'est cheat meal. Et voilà, on va manger au chamousé avec la cascade en fond. Si c'est pas magnifique. T'as dit quoi? Voilà, ça faisait 5 minutes. Il est encore vivant. Le cerf, voilà. Elle m'a dit, mais il est cuit à haute température là. Là, il regardait par la fenêtre. Bon, on est un petit peu bloqué. Bon, il y en a plein, on en a vu plein. Je suis sur ma caméra maintenant. Mais vous voyez là-bas, c'est. Je sais pas comment ils appellent ça. Il y a une fête, donc hindoue. Et ils défilent avec des dieux hindous. Ils les poussent. On voit qu'ils souffrent. Hein. Il y en a qui les poussent sur des roulettes. Il y en a, ils les soulèvent carrément. Et voilà, ils se déplacent. Franchement, je connais pas bien encore. On va se renseigner. Voilà. Et je vous filme le ciel, très intéressant. Avec les essuie-glaces.
passe. On en voit, alors là carrément il est sur une petite camionnette. Mais la plupart des autres ils se faisaient pousser hein. Ouais. Vous voyez, mais c'est jamais le même dieu. Je pense que c'est une fête multi-dieu. Voilà, multi-dieu, chacun choisit celui qu'il préfère. On est de retour à la maison. Il y en a un qui est très fatigué ici hein. Et là, petite omelette pour ce soir en préparation. Ça c'est brocoli pour demain, le repas de l'école. Avec quelques pâtes, c'est des brocolis aux pâtes. C'est pas des pâtes aux brocolis, et ils adorent ça. Et on va terminer l'indien qui est là. Il y a des aubergines, il y a du sahi paneer. C'est une espèce de fromage de buffle avec une sauce noix de cajou et du riz et des lentilles. Et là, il y a deux cheese naan. Donc voilà, on finit les restes d'hier, une omelette et on prépare la lunchbox pour demain. Capucine qui vient de les laver. Ils sont fatigués, demain c'est la reprise de l'école, c'est fini les vacances. On va aller voir les copains, les copines. Allez viens, on va mettre la table champion. Et voilà, en tout cas j'espère que le vlog vous a plu, la mif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout d'ici là, gardez la pêche.